William Colley n'aurait jamais pu vivre ailleurs que sur le canal du Midi. Pour lui, il n'y a pas plus bel endroit au monde. Bon, qui veut des croissants et du pain et trois des baguettes. Pains au chocolat. Depuis 1996, le canal et ses milliers de platanes sont classés au patrimoine de l'UNESCO. Ce matin-là, comme chaque week-end, William se rend au Somail, au village où il a l'habitude de faire ses courses. Le week-end, quand on prend le temps, on va faire les petites courses chez Claudine à la péniche. C'est un petit rituel. Ça fait partie de la vie sur le canal. On ne prend pas la voiture, on prend la petite barque. C'est un peu plus long, mais tellement plus agréable. Loin du rush de la ville, et juste la tranquillité et la nature. À l'année, ils sont un peu plus de 300 à vivre sur l'eau et à son rythme. 300 habitants environ qui forment une petite communauté. Les gens du canal partagent une même philosophie, vivre tranquille, loin de la pollution urbaine. Toc, toc, toc. Bonjour, bonjour. Du bon pain frais de chez Claudine. Merci Claudine. Bonjour. Tu le mets sur ton compte ? S'il te plaît Claudine, oui. Ça marche. C'est bon. Le Somail est l'un des plus anciens villages traversés par le canal. Bonjour. William connaît tout le monde. Des vieux du village font partie des anciens. Sa maison flottante est ancrée à l'écart du village. William est propriétaire de sa péniche qui mesure près de 30 mètres de long. Construite au siècle dernier, elle est plus que centenaire. Et le bon pain pour le petit déjeuner. On va faire une petite tartine de miel. Oui. Allez. Le miel est produit par sa femme qui dispose d'une dizaine de ruches installées à proximité des rives. Super beau miel, tiens. Le petit déjeuner à peine terminé, William doit déplacer sa péniche. Une opération délicate, car ici, impossible de faire demi-tour. Chacun est à son poste. Donc là, on va faire une petite manœuvre en marche arrière pour se mettre à quai. C'est une manœuvre un petit peu délicate avec un bateau gros comme ça. Ça se manœuvre pas comme une voiture, vous en doutez bien. C'est mon père à l'origine qui l'a ramené des Pays-Bas, qui a fait toute la construction. Et moi aujourd'hui, je fais plus de l'entretien et des choses qui ont vieilli et qu'il faut refaire. Les peintures, beaucoup de choses. Un bateau, c'est une passion. On compte pas. Tu m'aides à pousser la remorque, s'il te plaît? À 41 ans, cet Anglais à l'accent du Midi s'est toujours senti à l'étroit dans un appartement. En ville, il étouffait. À la mort de son père en 2007, il débarque sur le canal pour y vivre définitivement. Allez, on va se préparer un petit apéritif. Un petit vin blanc. Ici, la péniche fait 100 mètres carrés, mais c'est pas 100 mètres carrés habitable. Hein. Habitable, il faut compter 70, 75 mètres carrés habitables. Ce qui est déjà bien. Il y a une belle cheminée ouverte ici. On s'en sert beaucoup l'hiver, hein. On chauffe, on fait des grosses flambées. C'est un très beau salon l'hiver, on passe des heures à admirer le feu. La télé, pour nous, c'est ça. Tous les jours, un paysage nouveau, couleur du ciel qui change.
Voilà, c'est paradisiaque. C'est jamais pareil. Au gré des saisons, il immortalise le canal du Midi. Des scènes et des tableaux qui évoluent au fil du temps. Tu veux de la tomate ? Moi, je suis pas du tout dans ce type d'habitation-là. Je préfère être en ville. Ah oui ? Ouais. Ah oui, de loin. Pourquoi ? Je sais pas. C'est peut-être aussi le fait d'avoir toujours vécu à la campagne, ou peut-être le fait que quand j'étais toute petite, on vivait près de la ville. Je sais pas. Mais c'est un truc qui m'attire beaucoup plus. Et personne n'est obligé de suivre le chemin d'un tel ou des parents. Après, la roue tourne. Elle reviendra. Attention au chien qui mange pas la saucisse. Elle est coquine, cette Milka. Hein. C'est une très belle péniche, une vieille péniche. Et donc, c'est une péniche hôtel. Ils prennent des gens à la semaine pour faire des balades entre les Tonnes de Taux et Carcassonne, avec des visites guidées. Donc, il y a pas mal de péniches hôtels ici. Et qui sont plus dans l'esprit de découverte, proprement dit, du canal, plutôt que la course. 10 000 bateaux circulent en moyenne sur cette voie d'eau artificielle, essentiellement l'été. Le reste de l'année, la famille Collet n'est guère dérangée. Quand on part en balade, quand on a un peu de temps, qu'on peut vraiment partir naviguer, ça j'aime beaucoup, quoi. C'est joli. Et puis les lumières sont très très belles. Vous avez passé votre vie sur le bateau ? Bah, j'espère, ouais. Une vie ou une semaine sur le canal du Midi, tout est possible. Dès le printemps, une quinzaine de péniches hôtels proposent des séjours et des croisières 5 étoiles. C'est au Somaï que l'on croise le plus souvent ces bateaux. Si ce village est aussi développé, il le doit essentiellement à cette époque où le canal du Midi transportait du fret et des passagers. Aujourd'hui, la clientèle a changé. Avec son mari, Lise dirige cet hôtel flottant. Alors vous êtes allé au marché et vous avez vu toutes ces belles choses. Je vous apporte le reste. Spécialité locale pour des clients fins gastronomes. Une semaine de luxe pour 3000 euros par personne. Je ne sais pas si vous connaissez, ce sont des rillettes d'oie. C'est la viande de l'oie, ce n'est pas du pâté. On prend la viande et on la cuisine encore et encore pendant un bon bout de temps, donc c'est vraiment très tendre. Alors, on vous souhaite un bon appétit et à tout à l'heure. Si ces Australiens ont parcouru près de 11 000 km, ce n'est pas seulement pour le bon vin et la bonne chair. C'est très relaxant et c'est un très bel endroit du pays. C'est très intéressant du point de vue historique. Il y a du bon vin, tout est merveilleux. Très tranquille. J'adore ça. On travaille beaucoup toute l'année et c'est l'endroit idéal pour ne rien faire. Juste se relaxer et ne rien faire. C'est pour ça que nous sommes là. Pour la nourriture ? Oui, pour la nourriture française. Des clients rois et à l'arrière de la péniche, un équipage aux petits oignons. Ici, c'est deuxième classe. Devant, c'est première classe. Oh, mais même le deuxième classe est quand même sympa. Oui, tiens, on a du bon vin. Hein. Santé. À la fin du déjeuner, ils repartiront pour une nouvelle étape à une dizaine de kilomètres de là. La péniche empruntera l'artère principale qui, en saison estivale, est parfois encombrée. William, lui, connaît tous les chemins de traverse.
ces petits canaux où aucun touriste ne s'aventure jamais. Là, on est sur ce qu'on appelle la rigole. Donc, c'est un petit bras qui a été dévié de la rivière Cesse et qui sert à alimenter le canal du Midi quand il manque un petit peu d'eau. C'est un endroit magnifique, c'est comme un mini canal du Midi. Donc vous voyez les platanes, les lumières, c'est un peu similaire. Hein, sauf qu'on n'a pas les bateaux, on n'a pas les touristes. C'est un très calme endroit. L'île bienheureux. À peine 10 minutes de navigation et William se retrouve sur l'un des plus beaux ouvrages du canal du Midi, le pont canal de la Cesse, du nom de la rivière qui coule juste en dessous. Une nouvelle semaine de travail commence pour Willy le Bienheureux. Son chantier flottant se trouve à l'entrée du village du Somail. Depuis 2012, il rénove entièrement cette péniche de 30 mètres de long. C'était une coque vide à l'origine et je reconstruis tous les côtés, un nouveau toit, des ouvertures, des fenêtres. Ça fait plus de 2 ans que j'y suis et là je vais commencer l'intérieur. Je pense qu'il y en a pour encore une bonne année de travail. William ne s'était jamais attaqué à un tel chantier. Dans cette péniche, il faut tout refaire, de la coque aux aménagements intérieurs. Un défi, mais pour lui, le jeu en vaut la chandelle. Il faut faire des agencements très simples, aux alentours de 5000 euros, et puis après une belle péniche, péniche hôtel par exemple, ça peut aller jusqu'à 300, 400 000 euros, même les dépasser. Pour transformer cette ancienne épave en péniche de luxe, Willy suit les plans dessinés par un architecte. Il travaille seul. Donc l'entrée principale par la marquise avec un escalier ici, une cuisine, un petit toilette dans l'angle ici. Et ensuite vous rentrez dans un couloir avec une première chambre d'amis à gauche pour 2 personnes. Et vous rentrez finalement dans la grande chambre ici, donc c'est une autre cloison à ce niveau-là. Et cette grande chambre prend toute la largeur du bateau et au fond un atelier. Un atelier avec une trappe. Parce que mon ami client aime les Harley Davidson et je vais lui construire une grue pour qu'il puisse descendre sa moto dans l'atelier. 3 ou 4 ans pour réhabiliter une péniche comme celle-ci. Sur le canal, c'est une histoire qui se répète ici et là. De belles histoires au long cours. Au Somail, les clients australiens ont terminé leur déjeuner. 14h34, allez, on va démarrer. Je vais aller mettre en marche le vieux moteur. J'ai mon installation de démarreur électrique que j'ai fait moi-même. Le vieux moteur tourne comme une horloge suisse. On va larguer la garde avant, la bleue. You are ready? Oh, oui. Allez, we go. En 2000, Lise et René achètent cette péniche de près de 29 mètres. Une vieille dame construite en 1905. En 4 ans, les propriétaires donnent une nouvelle vie à celle qui, jusque-là, transportait des céréales dans le nord de l'Europe. Je suis né à 7, j'ai toujours aimé les bateaux. J'ai toujours eu des petits bateaux de mer, des voiliers. Après, je suis passé mécanicien sur le canal du Midi pour des compagnies de location de pénichettes. Puis après, on a rêvé donc d'avoir notre propre péniche. Et puis on a acheté une vieille coque sur la région parisienne que l'on a retapée entièrement. René est à la barre, Élise au fourneau.
Ça vous tente quelques bulles avant d'arriver? C'est pas du champagne, mais c'est bien mieux. S'il y a près de 25 ans, Liz a eu le coup de foudre pour le capitaine du bateau, l'Irlandaise a aussi épousé la cause de ce petit coin de France. On ne sert que des produits locaux. Le seul vin qu'on sert qui n'est pas de la région, c'est le seul champagne. Et ça, c'est une fois par semaine. Tout le reste, c'est Languedoc-Roussillon. Vous êtes chanceux. Oui, très chanceux. Oui, c'est bien. Et c'est bon. C'est sec, mais c'est bon. Quatre heures de navigation à 5 km/h en moyenne. Sur le canal du Midi, la vitesse est réglementée. Alors là, c'est le mois d'août, c'est vraiment souvent août-septembre. Il y a beaucoup de locations, beaucoup de navigation. On préfère le canal quand il est un petit peu moins chargé, c'est-à-dire au mois de mai-juin, et du 15 septembre au 20 octobre, là j'aime bien le canal. Un rythme de croisière qui permet d'apprécier les paysages du Languedoc. À cette allure, les touristes étrangers découvrent quelques-uns des chefs-d'œuvre imaginés par Pierre-Paul Riquet, l'homme qui, à la fin du XVIIe siècle, créa le canal du Midi. La péniche traverse ici le pont canal de la Répudre, le premier du genre construit en France et le deuxième au monde. La légende raconte que c'est Léonard de Vinci qui fut l'initiateur du premier pont canal en Italie. Près de 50 000 touristes étrangers en majorité empruntent chaque année cette voie d'eau. Un moyen original de voyager dans cette région. Mais au détour de l'un des nombreux virages que compte le canal, une mauvaise surprise nous attend. Nous arrivons ici à Ventenac en Minervois. Des platanes sont coupés en petits morceaux. En cause, le chancre coloré, un champignon dévastateur qui a débarqué en Provence en 1945. Plusieurs milliers d'arbres ont déjà été rasés. D'ici à 20 ans, il ne sera peut-être plus possible de s'amarrer dans un coin aussi sauvage et ombragé. Retour à bord, il est déjà l'heure de préparer le dîner. On aime la bonne bouffe. On n'en fait pas trop, mais on aime la bonne bouffe. Avant d'embarquer dans cette aventure, Liz travaillait dans les cuisines d'un relais et château. Une expérience qui lui permet de répondre aux exigences de ses passagers. Le fromage, c'est merveilleux. Ils ne peuvent pas en avoir à la maison, surtout les Américains. Ils aiment le roquefort, le fromage de chèvre, tout ce qui est au lait cru. Ils apprécient tout car ils n'ont pas l'habitude de cuisiner. Ce qu'ils aiment, c'est venir au marché avec nous, choisir les produits que nous leur préparons sur le bateau. C'est un plaisir. Tout le monde est prêt? Moi, je suis prête dans 10 minutes. Ces clients ne s'occupent jamais de rien. Pris en charge dès leur descente d'avion, ils seront à la fin de leur séjour raccompagnés jusqu'à l'aéroport. Une parenthèse d'une semaine au cœur des saveurs et des couleurs du Midi de la France. Le lendemain, aérodrome de Lézignan. Bonjour. Philippe Callas s'apprête à survoler pour la deuxième fois cette année le canal du Midi.
Comment ça va, Harry? Eh bien, écoute, ça va. La météo est super. Une belle lumière, là. Une belle lumière. Donc là, je te laisse embarquer. Entendu. Nous voilà partis pour 2 heures de vol. Ce directeur d'école a déjà réalisé plusieurs livres sur le chef-d'œuvre de Pierre-Paul Riquet. Ce matin, le photographe veut nous montrer à quel point le canal du Midi mérite son classement au patrimoine mondial. Plus ancienne voie d'eau européenne encore en activité, le canal est un trait d'union entre la Garonne et la mer. Il permet surtout de relier l'Atlantique à la Méditerranée. 240 km entre Toulouse et Sète. Il traverse des régions emblématiques de tout le Midi de la France. Hein. Il traverse les Corbières, il traverse le Minervois, et donc il traverse le Languedoc. Depuis Toulouse, le canal serpente entre la Haute-Garonne, l'Aude et l'Hérault. Il traverse également le pays Qatar et sa cité incontournable. Il passe par des grandes villes comme Carcassonne, comme Narbonne, comme Béziers. Il passe aussi à travers de nombreux petits villages qui se sont développés grâce à l'activité qu'il a amenée. Les villages ou les hameaux vivent pour beaucoup du vin et du tourisme. Ces communes se concentrent autour du canal et du port. Donc sur la gauche, là, on a le port de Homs qui est un des ports du canal du Midi qui accueille une base de location de bateaux, mais qui a été historiquement, depuis le creusement du canal, un port qui servait pour le transport du vin du Minervois. Un peu plus loin, nous survolons la ville natale de Pierre-Paul Riquet. C'est là où se trouve l'un de ses ouvrages les plus spectaculaires. Donc là, on arrive à Béziers avec un site important du canal du Midi qui est l'escalier d'écluse de Foy-Serran. Donc un échelonnement de 8 bassins qui permettent de franchir un dénivelé de 21 mètres de hauteur et qui permet donc de rejoindre le niveau du cours de l'Orbe qui va être franchi ensuite par le pont canal sur l'Orbe. Aujourd'hui, seules 7 écluses sont encore en service. C'est une réalisation unique dans l'histoire des transports fluviaux. Au total, ce sont plus de 300 ouvrages d'art qui jalonnent le parcours du canal du Midi. Philippe Calas les a tous photographiés. Des écluses comme celle de Foncerane, des ponts, des aqueducs ou encore ces fameux ponts-canaux. Si Pierre-Paul Riquet imagine celui de la Répudre, les autres sont l'œuvre du marquis de Vauban. Celui de l'Orbe est classé au titre des monuments historiques. Un peu plus loin encore, c'est Marseillan, là où le canal finit sa course. Ici, à l'étang de Thau, une petite mer intérieure. La pointe des Onglous est symbolisée par ce phare. C'est la dernière ligne droite avant l'embouchure et la Méditerranée. Après ce survol, Philippe Calas tient à nous emmener au tunnel du Malpass. Un lieu qui, à ses yeux, montre le génie et surtout l'obstination d'un homme prêt à tout pour réussir son pari totalement fou. À certains endroits, comme ici, Pierre-Paul Riquet a dû déplacer des montagnes. Nous sommes sur la colline d'Ancérune, dans le département de l'Hérault. Il était impératif que le canal traverse la montagne d'Ancérune pour pouvoir ensuite terminer son parcours à Béziers et ensuite pouvoir rejoindre l'étang de Thau et la ville de Sète qui a été réalisée en même temps que le canal du Midi. Et donc il a fallu assez longtemps et pas mal d'énergie pour arriver à réaliser ce tunnel. Nous sommes en 1679. Jamais auparavant, un tunnel de cette nature n'avait été creusé.
Un défi de taille et très vite, une impasse pour Riquet qui faillit abandonner là son projet. Voilà, et la difficulté majeure à laquelle a été confronté, c'est ce tuf, cette pierre, enfin, cette terre qui est compacte et en même temps qui est friable et qui a été très compliqué à creuser. Et d'ailleurs, c'est ce qui a occasionné ces concrétions-là, c'est les intempéries, en fait, le vent qui a creusé cette pierre de manière un peu aléatoire et qui a fait des dessins, des formes, des figures qu'on peut s'amuser à essayer de repérer. Dans le Languedoc, une histoire et des images de ce genre ne pouvaient qu'inspirer une nouvelle légende. Ces formes qu'on peut trouver dans la voûte m'ont inspiré une légende à partir du visage qu'on peut deviner dans la voûte de l'autre côté. Là. Elle raconte que Paul Riquet aurait été maudit par le sorcier de la montagne dans ses runes, et donc son visage et son âme auraient été enfermés dans la voûte du tunnel du Malpass parce qu'il est passé à travers cette montagne contre la vie de ce sorcier et malgré tout pour que son canal arrive jusqu'à Béziers. Béziers, là où tout a commencé. Ici trône la statue du fils prodige, l'enfant du pays qui réussit à réaliser le rêve des plus grands. Néron, Charlemagne, François Ier ou Henri IV avaient déjà songé à un canal pour relier l'Atlantique à la Méditerranée. Et c'est lui, Riquet, le collecteur de l'impôt sur le sel, le gabelou de Louis XIV qui réalise l'impossible. À Toulouse, il existe un lieu de mémoire, une salle où toutes les archives du canal du Midi sont conservées précieusement. Des kilomètres de boîtes, de documents, de lettres, de plans et de cartes que seul Samuel Vanier, l'historien, peut identifier dans ce Capharnaüm. Des trésors inestimables qu'il conserve et décrypte. Dans cette boîte, les correspondances entre Riquet et Colbert, son mentor, son allié à la cour du Roi Soleil. Après Versailles, le canal royal du Languedoc est le chantier le plus important de Louis XIV. Là, on a la lettre de 1662. C'est la première que Riquet écrit à Colbert, dans laquelle il lui parle de l'histoire de faire un canal. C'est à partir de cette lettre que toutes les opérations vont se déclencher. Rien n'échappe à Colbert, les yeux et les oreilles du Roi Soleil. Et c'est grâce à ça qu'on a à travers un corpus de lettres, il y a à peu près 300 lettres échangées entre Colbert et Riquet sur toute la période de la construction du canal. On peut suivre les travaux pas à pas grâce à cette correspondance. Riquet consigne tout sur le canal royal. Mais plus d'un siècle après sa mort, à la Révolution, la voie d'eau perd ses lettres de noblesse. Il devient alors le canal du Midi. Riquet tombe dans les oubliettes de l'histoire, mais c'était sans compter sur sa descendance. Les lithographies se sont enchaînées au XIXe siècle. Il y a un travail fait par ses héritiers pour que sa mémoire soit honorée. Il y a un jeu politique derrière la glorification de l'image de l'ancêtre. Ça leur permet de revenir... de gagner une légitimité qu'ils avaient perdue à la Révolution, puisque c'était donc des nobles qui ont traversé la Révolution en perdant quelques plumes. Et après, sous la Restauration, ils ont récupéré une partie des biens qu'ils avaient perdus, dont une partie des parts de la propriété du canal. Si aujourd'hui Riquet est considéré comme l'un des grands hommes de l'histoire de France, il le doit d'abord à une idée de génie. Elle trouve sa source au cœur de la montagne noire. C'est cet immense réservoir qu'il fait construire pour retenir les eaux. Une prouesse technique à l'époque. Alain Char, le responsable de ce barrage, est intarissable sur Riquet, l'homme qui pourtant au départ n'avait aucune notion de génie civil. Donc on se trouve vraiment sur le barrage. Là. Il faut bien penser que ce barrage, c'est une énorme masse, 150 mètres d'épaisseur à sa base. Donc c'est son poids, sa masse, qui assure la solidité. Plus c'est gros, plus c'est solide. C'est formidable, quoi. Le génie de Riquet, il est ici, dans le secteur montagne noire, capter les eaux, les distribuer et les emmener vers le canal du Midi. Mais à l'époque, se lancer dans une idée
de concevoir un canal, fin du 17e, quoi, je veux dire, c'est phénoménal, quoi. Sans outils, sans moyens, en mettant que de la main-d'œuvre et des milliers d'ouvriers ont construit ce barrage, c'est phénoménal pour l'époque. Je ne sais pas si on serait capable de faire pareil actuellement. Plus tard, sous Napoléon III, on met en place ce parc romantique avec un jet d'eau et des cascades. Rien n'est trop beau pour magnifier ce lieu. L'empereur en personne doit venir l'inaugurer. Et Napoléon III n'est pas venu. Il a inauguré la gare à Castelnaudary, mais il n'est pas monté ici. Mais quand même, c'est resté. Et on se dirige vers le barrage, vraiment la structure du barrage, juste à l'aplomb du mur aval qui donne accès aux galeries qu'on va pouvoir visiter. Nous entrons au cœur du système imaginé par Pierre-Paul Riquet. Il faut d'abord suivre une succession de tunnels et d'escaliers pour arriver aux vannes que seuls les techniciens habilités peuvent ouvrir ou fermer en fonction des besoins en eau du canal. Alors ici, on est dans un endroit le plus stratégique de l'ouvrage. Là, au fond, et c'est là qu'on vient ouvrir les vannes pour alimenter en eau le canal. Mais pas que le canal, puisque le canal consomme de l'eau, mais aussi l'irrigation, les végétaux qui bordent le canal. Et donc tout ça est alimenté majoritairement par le réservoir de Saint-Ferréol. Eh bien on y va, on va pomper manuellement, et on y va. Ces vannes permettent au canal de fonctionner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Pour comprendre comment s'effectue le partage des eaux entre la Méditerranée et l'Atlantique, il faut se rendre 40 km plus loin. C'est là que la magie opère. Nous sommes sur le point le plus haut du canal du Midi. Donc là, on arrive vraiment à l'entrée du canal. L'eau de la Régole débouche dans ce petit lieu. Pour arriver au bief de partage, ce point haut du canal du Midi, comme un escalier d'eau alimenté de chaque versant, le côté vers Toulouse, l'Atlantique, et le côté vers Carcassonne, la Méditerranée. On a un petit bateau, une petite feuille là, on va la retrouver à Béziers ou Carcassonne. Si on la met vers la droite, on va la retrouver à Toulouse. Pour rendre hommage à son roi, Riquet est prêt à tout. De ce lieu, situé en Haute-Garonne, il imagine un château et des jardins. Mais pas n'importe lesquels. À l'époque de Riquet, ce grand parterre avec les platanes, toute cette arborescence, était la réserve du canal du Midi, était en fait le bief de partage. Et Riquet avait l'idée de mettre en son centre la statue de Louis XIV et de créer une ville avec des magasins tout autour. On fait en faire un petit Versailles. Le projet ne vit jamais le jour. Mais grâce à l'ingénieur Riquet, le transport fluvial connaît son apogée. Le canal du Midi fait très vite les beaux jours de ce secteur. Les bateaux et leurs frettes n'ont plus à contourner la péninsule ibérique. Un gain de temps et d'argent. Les années 80 signent la fin de cette époque. Désormais, le tourisme fait vivre le canal du Midi. Retour au sommeil. Il est 7h30. Comme chaque jour en été, l'épicerie Tamata ouvre ses portes. Le magasin est le seul commerce flottant du canal. Claudine en est la propriétaire. En haute saison, bonjour. Elle reçoit une centaine de clients par jour. Oui, white. C'est deux baguettes. C'est deux baguettes, oui. Ce sont des étrangers en majorité. Vous êtes de quelle nationalité? British. Yeah. Voilà. Vous parlez pas anglais, vous? Un truc peu. Juste a little bit. Very. Voilà. En 2007, elle quitte les Tours de la Défense dans la région parisienne pour habiter à plein temps sur cette péniche. Je suis débarquée ici. Je voulais changer de vie. Hein. J'avais 50 ans. Et c'est la défense, ça suffisait.
comme mon fils connaissait cette affaire, c'est vrai que lorsqu'il m'a dit qu'il y avait cette affaire-là, je suis venue et puis j'ai pris la décision dans les 8 jours. Une nouvelle vie à l'ombre des platanes. Sur les rives du canal entre Toulouse et Sète, Claudine n'est pas la seule à avoir changé de vie du jour au lendemain. Robert Mornay vivait dans les Cévennes. Éducateur pour jeunes, à sa retraite, il tombe amoureux. Un coup de foudre un peu particulier. Ce bateau était magnifique et je suis tombé amoureux de ce bateau, donc d'une gravure. J'ai cherché les plans pour le reconstruire et j'ai construit tout seul. Grâce aux archives conservées à Toulouse, il démarre le chantier dans son jardin. Il passe des centaines d'heures à découper, percer, clouer, coller, cintrer ce petit navire de 15 mètres et de 20 tonnes. Le 27 août 2011, le bateau est mis à l'eau et baptisé à la vieille église du Somail. Son rêve, complètement fou, devient réalité. Considéré comme un original, mais si tous les fadas étaient comme moi, il n'y aurait personne dans les hôpitaux psychiatriques. Hein. Donc, voilà. Vous, votre folie, c'est d'avoir reconstruit ce bateau. Oui, puis de le faire vivre. Hein. Je ne veux pas que le canal du Midi soit un musée. Je ne veux pas qu'on le surexploite sur un plan touristique. Il a une autre histoire. Il y a l'histoire de la voie d'eau, il y a l'histoire de ces bateaux. Parce qu'il y avait beaucoup de bateaux sur le canal du Midi, et tous identitaires, et qui ont tous disparu. Parce que je veux bien qu'on parle des bâtiments matériels du canal, les ouvrages d'art, etc. Il y a beaucoup de gens qui s'occupent de ça. Mais personne ne s'est occupé de la vie du canal, en tant que vie. Oui, vivre sur l'eau, quoi. Qu'est-ce que ça veut dire, quoi. Robert veut renouer avec l'histoire de la voie d'eau. Jusqu'au milieu du 19e siècle, cette barque naviguait le long des 240 km du canal. Une barque de poste qui, en fait, n'était pas censée transporter le courrier. La poste, c'est une distance. C'est la distance entre deux relais de chevaux. Ça correspond à peu près à 4 lieues. Et c'est la mesure du temps de travail d'un cheval. Parce qu'avant, ce bateau-là, il était tracté par les chevaux. Il était tracté par des chevaux, donc tout le temps, jusqu'en 1858. Et donc sur les chemins de halage que tu as. Et ce bateau était prioritaire par rapport aux autres. Mais il ne transportait jamais de courrier. À l'époque, tous les bateaux, les barques ou les péniches, sont allés par des chevaux ou tiré par des hommes. Les barques de poste, elles, transportent jusqu'à 100 000 personnes par an. Mais en 1858, à l'avènement du chemin de fer, il n'en reste qu'une dizaine. Puis elles disparaissent. Le plus beau couple du canal, c'est nous. Ah, c'est nous. Ah, c'est nous. C'est nous. Robert Mornay définit sa barque de poste comme une maison de pays itinérante ou un musée vivant. Dès le printemps et jusqu'à la fin de l'été, il accueille des centaines de touristes et des enfants des écoles de la région. Venez à l'intérieur, je vais vous accueillir dans la première classe. Et l'endroit où je suis ici, c'était le bureau du receveur.
Et en fait, on prenait vos bagages et on les pesait avec une balance romaine. Dès qu'il y avait un surpoids, il y avait un supplément. Alors ici, vous êtes dans la salle du commun, qui est à peu près l'équivalent de la seconde classe ou un truc comme ça. Et après, c'est les riches là-bas. Pardon, monsieur, on ne vous dérange pas. Alors, il faut savoir aussi que de ce côté-là, c'était 30% plus cher qu'ici. Mais aussi que les enfants, comme elle, ils payaient pas. Venez, venez. Après, on pourra terminer peut-être en première classe. Moi, je dors là. En première classe. Ah bah ouais, quand même. C'est... Sur le canal, les habitués connaissent tous Robert. C'est un peu la mémoire des lieux. Grâce aux nombreux documents qu'il a pu retrouver, il fait revivre toute une époque. Jusqu'à cette petite surprise qu'il réserve toujours à ses passagers. Une boisson à base d'anis. Elle avait disparu. Bon, j'ai décidé, pour terminer le voyage, de vous présenter la dernière bêtise que j'ai faite. C'est que j'ai retrouvé la recette de l'eau de Sète. Une recette qui date de 1670, qui était la boisson de Riquet, la boisson préférée de Riquet. Et Riquet avait envoyé 573 bouteilles à Paris pour faciliter les signatures. Donc, c'est les premiers pots de vin. C'était les premiers pots de vin. Depuis 3 ans, Robert sillonne le canal et prêche une parole, celle de Riquet, l'homme qui lui permet aujourd'hui de vivre une nouvelle histoire au fil de l'eau. Ce que je défends, c'est ce territoire-là, c'est-à-dire le territoire de Riquet. C'est pas que la voie d'eau, hein, pas que ça, quoi, le canal. C'est un esprit, le canal, c'est un esprit. Mais il faut s'y imprégner dedans, il faut beaucoup de temps, il faut du soleil, il faut de la pluie, il faut tout ça, quoi. Le canal, c'est pas que le soleil, quoi. Non, le... Il faut du cœur. Oui, mais je crois que les gens des canaux ont du cœur, ouais. Pour une aventure aussi authentique, Robert est accompagné de bénévoles comme Xavier ou Violetta, fille et petite-fille de marinier. Mon père est remonté la Seine, il en était chargé. Il y avait un ponton et il a largué ma mère enceinte sur le ponton. Il a continué la route pour aller faire son travail. Et 3 jours après, en redescendant, il a repris sur le même ponton. Ouais. Et avec un bébé. Avec un bébé dans les bras. C'était vous. Voilà, c'est ça, ouais. Violetta n'avait que 3 jours. À sa majorité, elle devient batelière et abandonne la Seine pour le canal du Midi. Un long fleuve tranquille. Pas toujours pour Robert, car l'été, le canal est à ses yeux trop fréquenté par les touristes et leurs bateaux de location. T'as sur un bateau devant? Ben regarde l'autre qui arrive. Regarde, il arrive plein pot, là. Tu vois, c'est pas bon, quoi. C'est pas bon. Et on voit bien qu'il n'y a pas la place. Moi, j'ai une fille, elle est tombée à l'eau, comme ça. Elle avait 10 mois. Il y a un bateau de location. Nous, on était amarrés. C'était un capestan. Et j'étais amarrée avec le bateau. Et il y a un bateau de location qui vire et qui me rentre dedans. Et pendant ce temps-là, ma fille, qui a été côté berge, elle est tombée entre la berge et le bateau. Elle a réussi à ressortir, quoi, comme un tétard. Elle est née sur un bateau aussi, c'est ça? Elle est née sur un bateau. Si pour Robert, le canal du Midi est un état d'esprit, c'est aussi un moyen de revendiquer un patrimoine gastronomique. Depuis près d'un siècle, 3 villes du canal se disputent la paternité d'un plat typique. Toulouse, Carcassonne est celle qui se définit aujourd'hui comme la capitale mondiale du cassoulet. Castelnaudary. Quand on passe
L'hymne du Languedoc reprise en chœur. Ceux qui donnent de la voix appartiennent tous à la grande confrérie du cassoulet de Castelnaudary. Ses défenseurs en tenue d'apparat sont avocats, commerçants ou anciens internationaux de rugby. Ici, interdiction de parler des villes rivales ou des boîtes de conserve. Le cassoulet est un sujet très sensible. Il est à peine 11h, première écluse et première pause gastronomique. Allez, hop! C'est prêt! Le petit déjeuner est prêt, vous pouvez venir. Ici, nous sommes dans le pays de Cocagne. Nous avons de tout. Et il serait vraiment préjudiciable d'aller ailleurs. Donc, nos charcuteries, elles sont d'ici. Nos rillettes de canard, elles sont d'ici. Et notre vin, il est de la Malpère, c'est-à-dire d'environ 30 ou 35 kilomètres. Donc, nous avons tous les produits... rêver pour bien manger et bien vivre. Pâté, rillettes, saucisson et un petit moment d'inattention. La balade s'interrompt. La péniche est bloquée. Nous sommes envasés. Heureusement, la confrérie compte dans ses membres un cadre des voies navigables de France. Un coup de fil peut débloquer la situation. Là, je viens d'appeler l'éclusier pour qu'il ouvre la vanne à nos rousses, là, pour pouvoir mettre de l'eau en quantité, pour pouvoir remonter le niveau du bien de partage. Voilà. On va nous sauver des eaux. On va mettre de l'eau. On va mettre de l'eau dans le canal. Heureusement que t'es là, toi. Voilà. On va s'en sortir, hein, c'est comme ça sur le canal. Il garde espoir, hein, toujours. C'est bon, on y est arrivé. Bravo, capitaine. Bon, merci beaucoup pour les applaudissements. Voilà. C'est ce que vous préférez. Ah, mais non, mais c'est quand même bien. Et dis-moi, combien ça va coûter à l'État, ça? De toute l'eau qu'on a mis là, gratuitement. Nous sommes fuis des naufragés. Nous sommes sortis des récifs. Une petite heure pour se dégager, et il est déjà temps de repasser à table. Il manque juste le plat principal. C'est ici qu'on va nous amener le plat divin qu'est le cassoulet. Donc c'est un moment de choix et sur lequel nous ne transigeons pas. Surtout, il faut que le cassoulet soit chaud. Très important. Chaud, onctueux et les haricots qui soient fondants dans la bouche. Préparé dans les cuisines du restaurant de Georges Goutte, il arrive en fourgonnette. Nous voici réunis pour un moment historique, hein, qui est la première fois que nous mangeons du cassoulet sur une péniche. Comme le faisaient les coches d'eau à l'époque, et plus particulièrement le coche d'eau qui s'appelait la dînée, qui servait du restaurant de Toulouse à Sète. Alors en quelque sorte, nous revenons 200 ans en arrière, hein, pour vivre un moment historique. Si le grand maître de la confrérie évoque l'histoire, c'est pour mieux revendiquer la paternité du cassoulet. Ce plat, dont la base est constituée de haricots blancs, un légume importé par Catherine de Médicis, comtesse du pays Lauragais. Cette terre est située sur la commune de Castelnaudary. Mais pour plaider la cause de sa ville, Georges Goutte, avocat de profession, a d'autres atouts dans sa manche. C'est derrière ces murs que le premier cassoulet est né à l'occasion du siège de la ville de Castelnaudary par le prince noir. Le seigneur, qui n'avait plus de vivres, a invité tous les habitants de Castelnaudary à amener les ingrédients qu'ils avaient encore à leur possession. Mais c'était pendant la guerre des Cent Ans. C'était pendant la guerre de Cent Ans. C'était il y a quelques siècles. C'est pour ça qu'historiquement, le cassoulet de Castelnaudary est le cassoulet de Dieu le Père. Histoire vraie ou légende, peu importe, Castelnaudary est désormais indissociable de ce plat, que ce soit sur le plan historique ou économique.
Aujourd'hui, sur les 70 000 tonnes de cassoulet vendues en France, chaque année, 20 000 tonnes proviennent de cette ville, située sur les rives du canal du Midi. Depuis 15 ans en août, la grande confrérie intronise de nouveaux ambassadeurs. Parmi les récipiendaires, quelques-uns sont originaires de Toulouse, l'autre pays du cassoulet. Nous n'avons jamais reçu un personnage de ta dimension et de ta trempe. Ce personnage, c'est Claude Onesta, l'entraîneur de handball, aux multiples titres olympiques et mondiaux. Toute la vie, y a de là, la qualité de la gloria del gran cassoulet. Derrière le cassoulet, la grande confrérie et ses porte-paroles font aussi la promotion de tous les produits du terroir. Des produits que l'on trouve de Toulouse à Sète, sur le tracé, imaginé il y a plus de 3 siècles par Pierre-Paul Riquet. Le canal du Midi, une balade gourmande de près de 240 km à travers un patrimoine exceptionnel et classé parmi les plus belles réalisations de l'homme.